sa majesté moi la combi Guillaume papa loba anamsewa nyami mia abolinowa omuli masenge simana wa tindalonga bonamie simana wa simana wa indalonga bonamie simana wa amwe la combi o baba tom tom oyana bana wana milali wana nandilie wana nandalala simana wae belendume wana te oyana bana e wana milali wana nandilie wana nandalala simana wae sa majesté mwe la komba Guillaume papa loba abarele wa mia dondo obosu Mwele Patu mwele Mama yana bana e wena milali wena nandilie wena nandala simana wa e d'âge, 90 ans de vie. Pendant que Sa Majesté Mwele Combi Guillaume s'installe, nous allons accueillir au même moment l'entrée des différentes personnes qui ont fait le déplacement pour cet événement. Accueillons comme il se doit l'entrée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mwele Combi. Tout à côté de lui, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur Jean de Dieu-Momont. Également le représentant du gouverneur de la région du littoral, ainsi que le préfet du département du CAM, M. Che Patrick Ngwashi. Je vous prie de suivre attentivement ce témoignage de vie de Sa Majesté Esso Longo. 90 ans d'âge, Majesté Guillaume Mwele Combi, le jour de gloire est arrivé. Je remercie infiniment Son Excellence, Monsieur le ministre, professeur Narcisse Mwele Combi, qui m'a fait cet insigne honneur en jetant son dévolu sur moi pour parler en quelques mots des souvenirs charnels et spirituels que j'ai gardés de mon frère aîné, Sa Majesté Guillaume Mwele Combi, que j'ai connu à l'école il y a 67 ans. ...1953-2020... 67 ans d'histoire commune. C'est en 1953 que nous nous sommes rencontrés. Il faisait partie de la première promotion du cours complémentaire de Daido, qui devait devenir plus tard le célèbre collège à Fressaker. Il avait alors pour condisciple René Manda Mandenguin, Edouard Moukoko Koula, pour ne citer que cela. Je faisais partie de la deuxième promotion de cette école et j'avais comme condisciple le feu docteur Samuel Makit, voilà Dipita Di Campondo Aqua, pour ne citer que cela. Cela fait donc exactement 67 ans d'âge. 1953, le contexte national.
Nous sommes à 7 ans de l'indépendance du Cameroun. Le drapeau français flotte encore sur toute l'étendue du Cameroun. Ce n'est que le 10 avril 1957 qu'il sera définitivement remplacé par le vert ou jaune après notre accession à l'autonomie interne. Et le 1er janvier 1960, le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, prononcera la déclaration historique « Le Cameroun est libre ». Je retiendrai de mon frère aîné, Sa Majesté Guillaume Mwele Kumbi, ses souvenirs à la fois charnels et spirituels. Les souvenirs charnels d'abord. Les élèves du cours complémentaire de Daido allaient poursuivre leurs études à l'Institut des Missions Évangéliques de Libamba à Makak, dans le Nyon-Ekele, à partir de la classe du 5e. Notre promotion venait donc directement après celle de mon aîné. Selon les usages des lycées et collèges à l'époque, il était mon foyer et j'étais son visiteur. Nous étions deux jeunes princes venus de la prestigieuse vallée du Nkam, que vous voyez devant vous, un érudit et un monument puissant. Le foyer devait veiller sur la moralité du bisuit pour faire de lui un modèle dans la société. Le foyer devait lui dispenser des leçons de savoir-vivre pour faire de lui un homme complet et multidimensionnel. Il devait lui enseigner comment se tenir à table, comment se comporter en famille et dans la société en général. Comment se comporter vis-à-vis des aînés qu'il faut respecter sans faille? Comment se comporter en classe vis-à-vis des professeurs? Et pour terminer, et surtout, comment faire la cour à nos conquêtes féminines? Il devait effectuer toutes les tâches que le foyer lui donne. Entrer sous le lit, s'il le lui ordonne, pour le primer et l'habituer à obéir aux ordres des aînés. Le bisu devait donc obéir, se soumettre et être fidèle à son foyer. Le bisu devait effectuer toutes les tâches que le foyer lui donnait. Le bisu devait entrer sous le lit s'il le lui ordonne pour le primer et l'habituer à obéir aux aînés. Après une année de bisutage, les bisus devenaient à leur tour des foyers pour la promotion qui suit. Cette éducation, cette formation militaire, pour ainsi dire, a fait de nous des hommes complets et bien élevés, des gentlemen, respectés et respectables, que nous sommes devenus aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Nous avons reçu une formation spirituelle, car à Daido, nous étions régis par la mission évangélique et à Libamba par la mission presbytérienne américaine. Cette formation nous a marqués pour la vie. Il nous rappelait l'autre jour qu'en 1952, lors de son baptême, le pasteur avait choisi pour lui le texte suivant. « Doubela loba le monseigne Odin Longuet » Ndena Odine perdit ma porte. Traduction. La foi en Dieu est source de bénédiction, non pas seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie à venir. Il m'expliquait toutes les joies qu'il a eues, tous les délices qu'il a goûté dans sa vie, ont pour fondement ce texte qu'il a respecté toute sa vie. C'est grâce à ce fondement spirituel que nous avons reçu de Dieu tout ce que nous avons reçu. Et c'est le trésor que nous avons reçu que nous voulons laisser à la postérité, aux générations futures, à nos enfants. Bon anniversaire, Sa Majesté. Nous les connaissons. Avec vos respectifs. Sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici ce jour. Pour dire que
Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je les ai eus il y a quelques jours. Et à manifester M. Mouele Kombi Guillaume est mon maître et mon directeur à l'école publique de la Cité des Enseignants. Vous imaginez, j'avais à peine 7 et 10 ans. Aujourd'hui, je suis secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Directeur adjoint du tournoi pour le champ total 2020. Vous comprenez bien d'où tout cela est parti. Vous voyez bien d'où tout cela est parti. C'est à 7 ans, entre 7 et 10 ans, qu'on a cette possibilité de fabriquer un nom. C'est en ce moment qu'on arrive à constituer l'individu que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux être fier de cela. Moi, David Odion, il vient du fin fond de Manfé, dans la Manu et dans le sud-ouest. Avoir été moulé par quelqu'un qui vient d'ici. Comment est-ce que nous pouvons magnifier le vivre ensemble, si ce n'est de cette façon-là? Majesté, je voudrais vous dire tout simplement merci. Je vous dis merci pour autre chose parce que au moment où j'entrais au lycée polyvalent de Bounabéré, j'ai trouvé un autre aîné. Un autre aîné pour qui j'ai été pétri d'admiration. Tout simplement parce que je lisais ses poèmes à cette époque-là. C'était un très bon poète et il nous inspirait beaucoup. C'est le professeur Narcisse Mouele Kombi. Donc vous voyez bien que je suis passé du père au fils pour être ce que je suis aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais rendre grâce à Dieu et dire merci également à ces deux personnes pour ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu devenir dans ma vie. Merci Majesté, merci Professeur, et que la fête soit belle pour tout le monde. Je vous remercie. Monsieur Mouele Kombi Guillaume, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons l'officier de l'ordre de la valeur. De l'ordre de la valeur. Notre allocution, cette fois, un témoignage fort, un témoignage d'un enfant. Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur itinérant, leurs honorables députés à l'Assemblée nationale,
Monsieur le préfet du département du CAM, représentant le gouverneur de la région du littoral. Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'administration publique, parapublique et privée. Leur Majesté, les autorités traditionnelles. Vénérable ministre du culte, distinguées personnalités en vos rangs, titres, degrés et qualités respectifs. Chers frères et sœurs, venus de diverses contrées du Cameroun, chers membres de la grande famille Vouri en général et de la collectivité Bounaïdia en particulier, mesdames et messieurs, Excellences, mesdames et messieurs, je prends la parole ici au nom de tous mes frères et sœurs, en tant que fils aîné de Sa Majesté Mwele Kombi Guillaume et porte-parole de la collectivité Bounaïdia, pour un témoignage, un éloge et un hommage. Le témoignage est celui d'un enfant émerveillé par une histoire que je tiens de mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, mon grand-père paternel, Walter Heinrich Kombi Gengendumewele, qui repose à tout jamais dans la concession juste en face de nous. Sa tombe y est comme la tombe de notre arrière-grand-père et les tombes de nos autres ancêtres. Donc, mon aïeul me disait de notre père, son premier garçon, et il était le premier garçon d'une fratrie de 12 enfants, et je rends hommage aux grâces que le Seigneur a bien voulu accorder à cette fratrie, puisque sa grande sœur, Ndongo Kombi, veuve Nkake Mounyele, vit, je crois qu'elle doit avoir 92 ou 93 ans, elle est à Bonalembe, et je salue Sa Majesté Walter Ngale, qui est le gardien de cette veuve, puisque c'était, comme d'ailleurs Sa Majesté Ngale Bonjo, puisqu'elle était mariée à Bonayamsi, et plus précisément dans le foyer Bonangan. Elle est là, et nous sommes heureux que nos oncles de Bodiman continuent à prendre soin de notre tante Ndongo Kombi à 93 ans, c'est-à-dire la grande sœur de papa. Alors mon grand-père me disait que la vie de papa est celle d'un miraculé et d'un rescapé. Né un matin du 10 janvier 1930, le 10 janvier 1930, ici, en face, dans cette cour, ses premières années sur Terre furent d'abord un combat pour la survie. En effet, très maladif et d'une santé particulièrement fragile, il faillit ne jamais atteindre l'âge adulte. Compte tenu de l'absence d'une école dans toute la vallée, dans toute notre vallée, la toute première école fut créée en 1952 à Bonjo, elle existe encore, elle est quelque part là. Le jeune Mwele Kombi Guillaume n'entra à l'école française qu'un peu tardivement, après avoir fait l'école du Douala, et ceci, je tiens à le dire, pour la vérité historique, à la faveur d'un jugement supplétif, comme c'était très souvent le cas en ces années 1920 et 1930, où les centres d'état civil étaient encore très rares dans nos contrées, et où pour que les enfants aillent à l'école, et qu'il fallait les conformer à la loi française, il fallait bien qu'on leur donne un âge convenable. Donc, après ses études primaires à Douala, il fait partie, Sa Majesté Solongo l'a dit tout à l'heure, de la toute promotion, première promotion du collège Alfred Sacker, avec, je le dis avec beaucoup d'émotion, son acolyte, mon oncle René Mbanda Mandenguin, de ce village aussi, qui aurait pu être là, mais dont l'état de santé ne permet plus la station debout. À lui, mes voeux les plus émus de longévité également. Après son brevet d'études primaires, non, son brevet d'études du premier cycle, dans les années 1950, il commence, après le collège évangélique de la Libamba, une carrière d'enseignant qui le mènera d'abord dans les écoles missionnaires. L'école de Bonamouti à Douala, puis à l'école de Messa à Yaoundé. Comme enseignant. Il poursuivit ses études jusqu'en classe de première, puis s'inscrivit
en capacité en droit à la toute nouvelle université de Yaoundé, avant d'être admis au concours d'entrée à l'école normale des instituteurs de Consamba en 1960. Il sera tour à tour enseignant, directeur de plusieurs écoles publiques, dont celle de la Cité des enseignants, dont celle de l'école de Bonaberry, où beaucoup de mes congénères l'ont connu. Il sera en même temps inspecteur de l'enseignement primaire jusqu'au moment où il prit sa retraite. Sa plus grande richesse demeure des milliers d'élèves qu'il a formés, ça et là, de toutes les origines du Cameroun. Henri Dio, ici présent, me disait un jour, mais tu ne sais pas que ton papa, c'est mon vieux complice depuis les années 60 à Consamba. Il est là. Ils sont donc ainsi nombreux à constituer ces richesses. Sur le plan civil, il épouse en première noces Marthe Charlotte Malongo Diegue Mongue, assistante sociale de Regretté et Mémoire, ma mère. En deuxième note, Olise Sepoko Sambe de Bonadion Guissé, ici même à Bonjo Vouri. Et enfin, Edimo Mathilde Ndiome de Bonasepo, Bonamkano, Bonaberry. Et je salue ici la présence du chef de Bonamkano, Sa Majesté Djangwa. À la mort de son père, Paterin Louis Kombi, en 1984, il y a exactement 36 ans. Il lui succède comme chef coutumier du clan Bona-Adja. Le clan Bona-Adja étant l'une des trois composantes du groupement de Bonjo qui en compte trois, c'est-à-dire les Bona-Adja, les fils aînés, les Bonebinde et les Bona-Sola. Ce clan Bona-Adja qui regroupe les grandes familles de Bona-Braka et de Bona-Kinga. Signalons au passage que Sa Majesté Mwele Kombi Guillaume est assis sur le trône de son propre père, qui lui-même régna sur Bona-Adja pendant 54 ans. 54 ans, oui, à la suite de son propre père, Ndoumé Mwele Osambe. Walter Kombi, rappelons-le, formé à l'école allemande, avait été, entre 1920 et 1923, le secrétaire particulier du chef supérieur des Djedi Mwele Makembe, à Moutibelembe, je parle sous le contrôle de mon cousin, le directeur général Edimo Pierre, avant que le trône de Vouri Bwele ne soit confié à Bele Djenge en 1925. Bele Djenge ici à Bojo. Et mon grand-père sera grand notable de cette chefferie supérieure en tant que chef de la branche aînée de la maison de Bojo. C'est dire que l'arbre généalogique de Sa Majesté Mwele Kombi Guillaume est solidement ancré dans cette vallée où son lointain ancêtre Ewodi Moudibembedi, transformé en Ewori, puis en Vouri, Vouri s'installa au XVIe siècle à la suite des migrations qui menèrent une grande partie de la parentèle Sawa de la côte camerounaise du pays des Bangala dans la vallée du Congo à l'embouchure de ce vieux dos camaroès découvert entre guillemets par les Portugais au XVe siècle. Je voudrais, pour terminer, dire que papa nous a appris une chose dans la vie, l'humilité et la simplicité. J'insiste sur cela, l'humilité et la simplicité. Il nous a toujours dit, l'humilité précède la gloire. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais terminer par une petite confidence. Le 4 janvier 2014, au matin, mon père m'appela pour me dire « Te souviens-tu que c'est exactement ce jour, le 20e anniversaire de la mort de mon père ?» Dans 6 jours, donc c'était en 2004, dans 6 jours, j'aurai aussi 84 ans, l'âge que mon père avait quand il est mort, c'est-à-dire mon grand-père, son père. Et il ajouta, je crois qu'à tout moment, mon heure aussi peut sonner et que je peux aussi partir d'un moment à l'autre, puisque la plupart de mes congénères et amis sont déjà morts. Il avait dit à papa, non, tu ne partiras pas à 84 ans, tu ne partiras pas à 85 ans, et j'attends tes 90 ans, et nous, tes enfants, nous allons t'offrir ton 90e anniversaire. J'ai un ami ici présent
un grand initié, chef traditionnel, qui m'a dit, voici la symbolique de ce jour, toi-même tu n'y as pas pensé. 9 est le chiffre de la plénitude. Ce jour sera placé sous le signe de la plénitude. 90, ça fait 9 plus 0, c'est-à-dire 9. 36, c'est-à-dire de 1984 à aujourd'hui, ça fait 3 plus 6, c'est-à-dire 9. 9 est le seul chiffre qui coiffe tous les autres chiffres. Quand on totalise de 0 à 9, cela fait 45. Et 4 plus 5, cela fait 9. Et 9 est le seul chiffre qui, ajouté à un autre chiffre, ne le modifie pas. C'est-à-dire que lorsque vous prenez 9 et vous ajoutez 3, vous avez 12. Et 12, ça fait 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Prenez 9, vous ajoutez 1, ça fait 10. Et 10 plus 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. C'est pour ça donc que nous sommes aujourd'hui, le 18 janvier, c'est 1 plus 8, c'est-à-dire 9. Bon anniversaire, papa. Merci à vous. Dignani Bola Bempana Djiba. Djiba Madiba. Nanjongwe Yidi. Nanyan Seke. Ne. Et toi, tu wenge na. Obote, Dina Lena. Oyabane no. Wendengila. Oto. Man Masunga Mangila. Batiti Jita. Batubena. Baben. Masunga mangila mambale o musanga son bottom on applaudit très fort.